À Odienné, s'il y a une activité qui a pignon sur rue, c'est bien les taxis moto. On en voit à tous les carrefours. C'est d'ailleurs l'unique moyen de transport dans la ville. Une activité prisée par la jeunesse. S'il n'y a pas autre travail, tu ne peux pas rester à la maison. J'ai mon petit famille à la maison, il ne peut pas rester à la maison avec eux. Donc, il faut que je sorte, il vient me débrouiller. Pourtant, la région regorge d'énormes potentialités. La terre est généreuse. Le Kabadougou et le Folon possèdent entre 5 000 et 10 000 hectares de bas-fonds et de plaines. Une mine d'or inexploitée. Ça, c'est 475 000. Mais pour faire le champ là, si tu as fait le champ là, bon, si tu prends 375 000 pour mettre dans le champ là, et si ça ne donne pas, ben, tu veux faire un an pour que ça n'aura donné. Il faut donc une volonté politique. La municipalité d'Odienné a initié depuis 4 mois un projet pilote. La culture d'une nouvelle variété de riz, le Nerica 4, qui peut produire jusqu'à 4 à 5 tonnes au lieu de 2 à l'hectare. La commune a voulu faire ce projet témoin pour prouver aux populations et à l'État que nous sommes prêts à les accompagner en tant que collectivité, mais nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on nous aide, notre budget ne peut pas nous permettre d'aller plus loin. Le tiers de la production revient aux riziculteurs et les deux tiers destinés à la commercialisation. Pour l'écoulement de la production, la mairie a dû procéder à l'ouverture des voies. Plus de 11 km de route profilée, un ouf de soulagement pour les populations de Massadougou. Au lieu de 10-11 km, ouais, on parcourait 20 km. Parce que la route est très mauvaise. La culture du Nerica 4, une première en terre ivoirienne, est un projet PPP, partenariat public-privé. La municipalité s'est offerte les services d'une structure internationale, experte en développement des variétés de riz. Elle apporte son savoir-faire aux paysans, aux côtés de l'ANADER, l'agence d'appui au développement rural. Au niveau de nos enquêtes, qu'est-ce qui en est ressorti? Le producteur était en train d'utiliser une fertilisation qu'il a hérité de la culture du coton qu'il faisait. Et dans la deuxième chose aussi, c'est seulement une variété locale qu'ils étaient en train d'utiliser. Ce qui se fait au Sénégal, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, les difficultés vécues au Sénégal, les difficultés que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est pas mal d'expériences que nous avons partagées. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes satisfaits. Pour ce coup d'essai, en 4 mois, ce sont 60 emplois qui ont été créés. Les jeunes y travaillent et ne s'en plaignent pas. On travaille ici, là, ça va, ça va. On gagne l'argent même. Le projet touchera davantage de jeunes. La municipalité envisage atteindre la barre des 1000 hectares d'ici à 2020. 20 hectares, 60 jeunes, multipliez ça par 1000 hectares. Et quand vous avez la production de 1000 hectares dans une zone comme ici, ça va de soi que l'industrialisation devient la deuxième étape du projet. Et avec l'industrialisation, c'est encore de l'emploi dans les usines. Après ça, ça va vous créer des grands pôles de commerçants. Donc vous allez avoir des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Donc je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne sur ce projet-là. Trouver des emplois pour les jeunes, c'est le pari de la mairie d'Odienné. Mais bien plus, contribuer à l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. Le pays importe environ 250 milliards de francs CFA de riz, soit un quart de ses achats de produits alimentaires de base. L'équivalent de 20% du budget national en 2015.